Comme vous le savez, le président Volpe tient absolument à ce que le club du Havre se développe sur le continent américain. Donc aujourd'hui, on est en train de développer des soccer camps dans le Connecticut. Voilà, c'est en fait un lycée, le lycée Hopkins qui nous accueille. Voilà, et donc on est en train de mettre en place donc, pour ce début d'été. La possibilité de donner la possibilité à des jeunes, de jeunes américains de pouvoir venir s'entraîner de manière intensive et puis découvrir un petit peu, on va dire, des méthodologies d'entraînement peut-être sur lesquelles ils n'ont pas l'habitude de connaître. Je pense qu'aujourd'hui, le Havre, c'est un club qui a une grosse réputation, et des fois on le mesure pas forcément suffisamment, mais c'est un club qui a une grosse réputation en Europe par rapport aux joueurs qui sont passés chez nous. Hein. Faut pas oublier quand même qu'on a de nombreux joueurs qui aujourd'hui sont reconnus mondialement au niveau sportif. Voilà, et donc c'est un moyen pour les États-Unis de voilà d'avoir cet accès, Il n'y a pas forcément de recette miracle, mais par contre il y a ce savoir-faire aujourd'hui, cette capacité à entraîner des jeunes, à les encadrer, à les faire évoluer, qu'on sait faire, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui aux États-Unis. Ce sera vraiment le lancement de cet export. C'est-à-dire que dès l'été prochain, donc début juillet jusqu'à fin juillet, donc la possibilité donc, d'accueillir environ une centaine de jeunes, un peu plus, un peu moins, ça va dépendre du nombre, donc sur des semaines complètes, du lundi au vendredi, un petit peu à l'américaine. C'est-à-dire il faut savoir qu'aujourd'hui, les camps d'entraînement sont des camps, c'est très culturel aux États-Unis. Hein, les jeunes viennent s'entraîner, viennent découvrir des méthodologies d'entraînement. C'est à la fois de la découverte, mais c'est aussi la volonté de s'entraîner toute la semaine. Et donc voilà, on va démarrer ça donc au mois de juillet. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le lycée Hopkins qui aujourd'hui qui est un lycée très reconnu aux États-Unis qui nous accueille et qui nous prête ses installations. Et donc nous après, charge à nous d'encadrer ces jeunes et puis de leur proposer, on va dire, des formes d'entraînement un peu diverses et variées. Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les clubs américains, aujourd'hui, ce sont de grosses structures. Ce sont des structures qui regroupent des fois 2000, 3000, 4000 licenciés. Et donc, ils proposent pendant les vacances des formes d'entraînement intensif, qui sont ouvertes généralement à leurs licenciés, mais pas que. Mm-hmm. Et comme au basket, comme dans d'autres sports aux États-Unis, voilà, il y a ces possibilités aujourd'hui de venir participer à des camps d'entraînement. Voilà, alors, il y a différents types de camps. Il y a des camps loisirs, il y a des camps intensifs, il y a des camps élites. Enfin voilà, après on y voit tous que il y a des camps de détection, hein, ce qu'ils appellent les ID camps. Donc voilà, donc ce sont des camps en fait qui sont organisés, qui sont ouverts au public, sur lesquels les garçons ou les filles s'inscrivent pour une durée déterminée. Des fois, vous avez même des fois des équipes entières. Des équipes entières qui s'inscrivent, c'est-à-dire que vous allez avoir 15-16 joueurs de la même équipe qui vont s'inscrire sur ce camp-là. Voilà, donc c'est très culturel aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on utilise ce point de culture pour ouvrir et donner la possibilité donc, à New Haven, donc au lycée Hopkins, donner la possibilité à de jeunes Américains de venir s'entraîner, on va dire, sous une forme qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de connaître. Il faut s'adapter aujourd'hui au système américain. Le soccer aujourd'hui est un sport qui est aujourd'hui mixte, c'est-à-dire aujourd'hui c'est filles et garçons. On sait que le football, le soccer féminin est très développé aux États-Unis. Donc aujourd'hui les camps s'adressent aux jeunes filles, aux jeunes garçons âgés de 12 à 18 ans. Okay, pourquoi 12 à 18 ans? Parce que ce sont les catégories d'âge les plus qu'on va toucher le plus facilement. Et deux, parce que aussi ce sont aussi un moyen pour des garçons ou des filles qui souhaiteraient à un moment donné se donner la chance de s'entraîner ou de se préparer à des éventuelles intégrations d'université ou de lycée, parce que vous savez qu'aux États-Unis on se prépare, on est sélectionné des fois sur des critères sportifs. C'est aussi donner le moyen à ces jeunes collégiens ou ces jeunes plutôt lycéens de pouvoir avoir un accès, de se préparer à une entrée à l'université.
l'encadrement de ces camps, bien entendu, on va avoir besoin, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour exporter la méthodologie, il va falloir avoir des gens d'ici. Donc là, ce qui est prévu actuellement, c'est donc l'envoi d'un technicien, voilà, pour gérer, manager, organiser le contenu et l'encadrement de ces camps, et un accompagnement qui sera réalisé par les filles de l'équipe féminine, donc les Américaines qui jouent actuellement pour l'équipe première ici, féminine, et donc qui seront cet été aussi sur les camps, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, pareil, les étudiants ou les étudiantes sont souvent amenés à coacher les jeunes, donc ils ont l'habitude du coaching, et donc ils seront, entre guillemets, ils représenteront aussi ce lien entre le HAC et les camps qui seront organisés.